Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la promotion de l'épisode de Stab on the Cat, please, the Giraffe. Donc comme vous voyez, j'ai enlevé quelques petites choses, j'aimerais mettre en fait ici, juste ici, vous voyez ça passe extrêmement bien en fait sous le truc. Hop, j'aimerais mettre juste ici en fait de quoi faire en sorte que ma bestiole se planque. Et je trouve que ça rend plutôt bien en fait dans la zone vu que ça fait un petit côté de rouge. Retour au rouge qui est là, 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 un petit peu là aussi. Personnellement, je trouve que ça rend bien. Donc voilà. On avait fini cette partie-là donc précédemment. Maintenant, j'aimerais qu'on entame celle-ci. Hop. Voilà. Toujours en mode admin, chers amis, grâce à vous. Je vous rappelle qu'il est disponible même en mode single player, donc joueur solo. N'hésitez pas à en abuser. Alors comme vous le voyez, celui-là, ce wagon-là est la même couleur que ce qui le raccroche. Donc du coup, on va là aussi le prendre. Hop. Et de toute façon, les couleurs resteront les mêmes à peu près partout. Hein. Par contre, il y aura forcément certaines zones un peu plus élaborées. Alors je n'ai aucune idée de ce que je fais, chers amis, hein. Autant vous le dire, je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire en fait. Je n'ai rien prévu à l'avance, je fais plus ou moins au feeling. La seule chose que j'avais plus ou moins prévu à l'avance, c'est le tout premier, le wagon de tête, entre guillemets, la locomotive. Et encore, c'est vraiment la partie, même pas celle-là, hein. C'était plus celle-là que j'avais prévu en espèce de wagon de train en fait réaliste. Hop. Voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai tout. Normalement, j'ai tout. On est bon. Alors, on va reprendre les mêmes bases, entre guillemets, que précédemment. C'est-à-dire ici, hop. Ici, hop, pour commencer. Ici aussi. Ici aussi. On avait dit aussi, donc. Hop, voilà. Ce qui donne accès à ceci, 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 ceci et ceci. Hop, hop, hop. On a donc là aussi. Hop. Voilà. Parfait. Hop, ici, comme d'habitude, on remet ceci. Hop. Et on remplit. N'inquiétez pas, je remodifierai les choses. Bah, quoique non, je vais mieux les faire tout de suite, ce sera mieux. Ce sera fait. Hop. Bon, voilà. Bah, ce qu'on pourrait faire, c'est même refaire les étages directement cette fois-ci. Puisque, comme il y aura des étages dans cette partie, enfin, comme il y aura des étages, je dis ça, genre c'est prévu, mais bon, j'imagine que je ferai des étages. Donc, c'est 2, 2 et 1. 2, 2 et 1. Ok. On va juste refaire la petite partie qui est ici. Crac. Là, on s'arrête.
fait la partie qui nous reste. Hop. Crac. Ensuite. Quoique j'ai pas fait la partie là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette zone quand même? Je vais quand même. Alors là, c'est vraiment du chipotage, mais je vais le rajouter. Hop. Voilà. Je regarde plus ou moins ce que ça donne et je me rends compte qu'il vaut mieux que j'en mette un. Hop. Voilà. Ok. Là, je vais faire une légère différence avec le reste. Hop. Ok. On avait dit 2, 2 et 1. Ça nous laissera une espèce de comment? De grenier. Ce qui n'est pas plus mal. Je dois l'admettre, c'est pas plus mal. J'ai encore aucune idée de ce que ça va être, mais bon. Ok, bon. Et donc du coup on remet des rondins en haut, histoire de... Hop. Je me demande si je pourrais tenir sur 3. Non. Voilà, ça répond à ma question. Ok. Voilà. Voilà. Encore une fois, tout ça c'est du détail, chers amis, mais ça a son intérêt. Ça a son petit charme. Hop. Et donc je pense que le fameux grenier aura simplement un aspect visuel. Il sera juste là pour se montrer entre guillemets. Hop. Par contre ça devient extrêmement sombre dans le coin. Merde, c'est exactement ce que je voulais éviter. Encore que ça va, c'est pas trop dur à péter. Ah! Ah non, attendez. Alors là, par contre, il va falloir faire un test. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe, c'est bon. No soucis. Hop. Rends-toi, je t'enlève. Hop. Voilà, et on remet un petit coup de... Ah putain, exactement ce que je voulais éviter. Voilà, alors. Du coup, est-ce que je pourrais pas rajouter, exclusivement pour les parties supérieures, ceci. Hop. J'en ai oublié un, c'est pas grave. Ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal.
Parfait. Ce qui me permettrait ensuite de rajouter des classic light. Classique. Allez, classique chandelier qui est là. Classic light. Hop, tant pis, j'en fais plein, c'est pas grave. Hop. Hop. Ah ah, mais là ça m'ennuie un petit peu. Non, ça passe. Ça passe. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça va passer comme il faut. Hop. On pourrait limite mettre des choses bizarres en fait ici, c'est cool. Non, non, c'est très très cool en fait, ça passe bien. Je pourrais en rajouter aussi dans le fond. Hop. Et hop. Ça rend pas trop mal. Alors, les restes des cubes que je dois mettre. Ça fait très mastoc là par contre. Hop. La lumière, elle est ici. Hop. Et hop. Ensuite, je remets des rondins exactement comme l'autre fois. Et là, je peux les remettre en liaison. Hop. Parfait. Je peux remettre les portes aussi d'ailleurs. Crac. Crac. Qu'est-ce qu'il me reste alors? Il me reste ça, ça et ça. D'accord. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Étrangement, ça correspond exactement à une petite chose. Donc, est-ce que je peux aller chercher là? Non. Il va falloir aller chercher directement. Ah bah non, même pas. Est-ce que si je vais... Hop. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Là. Haha, je ne trouve pas ce que je voulais. Si je vais là. Là non plus. Il me retrouve baisé. Il est joli ce monsieur. Par combien il fait planter mon jeu quand je le pose? Il n'y a rien à dire en fait. C'est juste un objet, c'est pas un monsieur. C'est l'objet qu'ils ont dû présenter pour faire la démonstration de ce qu'ils avaient avancé dans la mise à jour en fait. Alors, on va aller ici, c'est pas grave. Ok. J'aurai besoin de ça. De ça, de ça. Ça normalement j'en aurais pas besoin. Là c'est bon. Ici. J'aurai besoin de ça. Ici. De rien du tout. Ici. Je reviendrai chercher ça plus tard. Ici. Ça, j'en aurais pas besoin. Ah, elle était jolie aussi celle-là. Ah, peut-être prendre celle-là plutôt. Je crois qu'elle fait que des ors en plus. Malheureusement. Si j'en ai besoin de ce truc là en fait, ça qui est casse-couille. Remarque, je peux toujours le prendre. Si je le prends, hop, voilà. Alors, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais aller voir déjà ça. Ah ouais, mais ça va me changer la place, ça va devoir tout bouger. Avant, j'aimerais regarder si elle est capable de le faire ou pas. Voilà. On va faire ça comme ça. Elle est gigantesque en plus. Où est-ce que je vais trouver la place de te poser, toi? Là. Ah non, elle fait bien le... Elle fait bien le... La bouffe. Ah, elle est bien. Est-ce qu'elle passe là au moins ou pas?
Non, elle passe pas. Bon, bah voilà, ça résout le problème. Ça résout le problème, même si ça me fait royalement chier, je l'avoue, hein. Hop. On va mettre ça là, c'est pas grave. Alors, si je peux m'approcher un maximum. Voilà. On va mettre la robotique en bas à gauche. Et je pense qu'elle va pouvoir m'offrir ce dont j'ai besoin. Voilà, les différentes tables. Les différentes tables. Il m'en manque une. J'ai les trois là, mais il m'en faut encore une. Ah mince. Storage locker, non, non, non. Je sais pas si elle est dans ce niveau là ou dans le niveau au-dessus, c'est ça qui est casse-couille. Là. D'accord. Pourquoi pas. Réplicateur, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Ok, donc maintenant on peut faire une zone pour chaque outil. Hop, il m'en manque un, voilà. Crac. Est-ce que je devrais... mettre une porte, ça pourrait être pas mal, ce serait stylé. Ce serait stylé, ce serait stylé. Hop. Allons voir là-dessus ce qu'il peut me proposer en door. Airlock door, non. Epic sécurité, non. Il me faut quelque chose de fin. Je veux une de une d'espace. Non, surtout pas ça. Floran ship d'or, non, surtout pas non plus. Bambou d'or non plus. J'aimerais quelque chose de... d'assez wooden, vous savez, mais pas de... Voilà, je voudrais éviter ça en fait. Quoique celle-là est pas trop trop moche. Celle-là est pas trop trop moche. On va regarder ce que ça donne. Ah non, je peux pas en fait la mettre. Faut que j'enlève ça pour le mettre. Alors là, ça m'intrigue. Et elle s'ouvre quand même. Par contre, elle est absolument laide. Alors pourquoi je peux pas la prendre? Voilà, c'est vrai, j'ai réussi. Tant bien que mal, chers amis. Vous savez quoi? Je vais juste laisser le rondin. Le rondin est très très bien, en fait. Par contre, oui, ça fait assez vide, en fait. C'est chiant. C'est chiant que ça fasse aussi vide. Faudrait que je trouve des lumières qui aillent avec tout ça, en fait. Torch. Déjà ça, je sais que je pouvais... Je la connaissais déjà celle-là, du coup je peux la mettre. Hop. J'aimerais voir aussi la slime torch. Voilà. Mais c'est pas celle-là qui me tentait le plus, à vrai dire. Alors, est-ce que je peux aller... Hop. Ici. Merci. Hop. Lumière. Voilà. Je sais qu'il y en a là-dedans qui vont être parfaites.
Ah non, celle-là pourrait l'être, mais elle s'accroche pas au mur, je crois. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Voilà, par exemple, celle-là est cool. C'est Floran, mais c'est pas grave. On va faire avec. On a du rouge, on a du bleu, on a du violet. Le violet, ça va être le plus dur. Hein. Je pense que ça va être clairement le plus dur. Ça aussi, c'est cool. Ah, quand tu fais entrer, ça devrait pouvoir le prendre, normalement. C'est chiant. Le violet va être le plus dur. Quoique. Quoique, on va aller voir. Je sais pas si ça fait de la lumière violette, je pense pas, à vrai dire. On peut vérifier. Ça ne coûte rien d'essayer, comme on dit. Voilà. Et donc du coup, ça passe, que ça me permettrait d'enlever, par exemple, celle-ci. Qu'est-ce que ça donne si je les enlève en fait? C'est ça le truc. Quand je m'en vais, ça donne quoi? Ça donne du vert, parfait. Si je voulais par exemple le violet, ça fait pas de la lumière violette à tous les coups. Ça va être impossible à mettre quelque part. Ça fait pas de la lumière violette. Ah! Non! Ce plan est gâché, chers amis. Ce plan est gâché. Là, par contre, ça fait de la lumière rouge. Pas beaucoup, mais ça en fait. Et puis, c'est pas assez gros comparé à l'autre. Ah! Ah! Je vais être bloqué, connement! Non! Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Alors. Bon, la lumière bleue, je devrais pouvoir trouver ce qu'il faut. Par exemple. Ça, c'est cool, ça. Je vais en prendre plusieurs parce qu'elle est pas mal. Shiplight. Ah non, voilà. Voilà exactement ce qu'il me fallait. Ça, c'est vraiment bleu. Par contre, pour le violet, c'est mort, je pense. Et pour le rouge aussi. Sauf si je mets un machin comme ça. Non, je pense que je vais mettre ça. Je vais même le mettre. Regardez, si je prends ça, hop. On va tenter un truc. Je prends ça. Ça, je mets ça pour le bleu. Hop. Ça fait pas de la lumière bleue, c'est dommage. La verte, là, par contre. Ça devrait en faire. Voilà, ça fait de la lumière verte. Ça. Non. Ça fait de la lumière rouge. Mais là, je parie que ça pompe sur tout. Le vert est tellement fort qu'il pompe sur tout, en fait. Donc ce sera pas avec des lumières qu'on jouera. Faudra qu'on trouve autre chose. Ce sera pas avec les lumières que nous nous amuserons. Oh. Hop. C'est pas grave. On trouvera. On trouvera, on trouvera. Ça aurait pu être intéressant, ça aussi. Ça aurait pu être intéressant. Attendez. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas, la longueur que je voulais. Que je demandais, en tout cas. Hop. Ouais, ça habille. Ça habille, c'est cool. Ça habille bien, même.
Non, c'est carrément cool. Alors vous inquiétez pas, je vais faire une petite modif derrière. Hop. La modif elle se fera ici et ici. Vous allez aimer, je pense, la petite modif, c'est du détail encore une fois, mais ça change tout. Je pourrais même... Ah non, ça va cacher la lumière. Tentons notre chance, on va bien voir. Si je fais ça... Oh, ça va peut-être même rajouter une petite ambiance feutrée, c'est peut-être pas trop mal. Alors... les deux côtés puis après hop. Ah c'est pas mal, ça remplit bien et c'est malgré la redondance ça reste beau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait genre voilà, vous pouvez y aller mais ça reste d'un certain niveau entre guillemets. Par contre les lumières du coup me font chier. Non non non, ça rend pas trop mal en fait. Ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop trop mal. Ah, un détail près, c'est que je trouve qu'il manque quelque chose en fait juste ici. Je vais mettre quelque chose ici parce que ça va pas le faire. Faut que j'aille voir les différents blocs que j'ai en ma possession. Bloc. Est-ce que je peux avoir quelque chose qui soit genre doré ou un truc comme ça? Non. Est-ce que je peux peut-être avoir ça directement sur le 3D printer, peut-être? Je crois pas qu'il fasse les blocs. Ah, il fait pas les blocs. Si je mets blocs... Ah, 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 attendez. Attendez, 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 attendez. Non, il ne fait pas des masses. C'est dommage. Eh, mais je suis con. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Non, ça fait un peu trop chic justement. Pas cheap mais chic. Bloc. Trouvons quelque chose peut-être un petit peu plus métallique alors. Silver block, non. Treasure horde. Oh, ça pourrait être intéressant plus tard. Copper gear. Ah, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Parce que ça va se fondre dans la masse, mais ce sera pas exactement... Vous voyez? Ce sera pas exactement ce qu'on voit dans le fond. Et donc là, du coup, ça nous fait une espèce de... Ça donne quoi au final? On va bien voir. Hop. Eh ben, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux. Mieux, mieux, mieux. Puis le pire, c'est qu'ils sont pas tous pareils, vous voyez. Ça, c'est cool. Non, c'est vraiment cool, ça. Bon, bah, de ce côté-là, c'est bien. En plus, ça fait, on a supprimé une lumière. Enfin, ça fait un petit côté très, très feutré en haut. C'est cool. Pour le bas, j'aime pas. Faut l'avouer, le bas, je l'aime pas. Falloir que je trouve un truc aussi. Mais bon, ça chers amis, malheureusement, je pense que ce sera pour le prochain épisode. On va pas faire un wagon par épisode au final. On va faire comme on peut. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais rajouter quelque chose juste avant de terminer. C'est tout con, mais c'est pour moi, c'est important. Hop, voilà. C'est de quoi monter, en fait, tout simplement. C'est stupide, mais... Si j'en rajoute trop, je me fais avoir, c'est pas grave. Non, mais pour moi, c'est important. Donc voilà, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.